Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Papillon Rose. Aujourd'hui, je marine poisson aux fruits de la passion. Donc, c'est simple, il y a le maquereau, il y a de l'ail, il y a le fruit de passion. Et là, vous avez du poivre, le sel, de l'huile. Et là, regardez, j'ai déjà coupé en deux. Et donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai tamisé. Donc, ça, c'est le jus. Et ça, je ne le touche pas. Il me faut juste un. Et là, j'ai de la moutarde. Et vous voyez, il y a de l'ail là. C'est simple. De l'ail que j'ai coupé, je les pique. Vous voyez, j'en ai piqué déjà. J'en ai piqué là. Et donc, je mets du sel, poivre et mets le jus que j'ai recueilli. Je vous montre la suite. Merci. Donc là, je vous montre ce que je vais faire. J'ai déjà salé et je vais poivrer. Je vais poivrer, mais pas beaucoup, hein. Surtout pas beaucoup de poivre. S'il y avait du piment en poudre, j'allais mettre. Mais j'ai pas de piment en poudre. Donc, voilà. J'en mets pas beaucoup. Et là, je prends mon jus. Je vais mariner. Vous pouvez laisser 30 minutes ou une heure au frais. Hein. Ça dépendra de vous. Pour laisser macérer. Vous pouvez aussi faire griller de suite. Mais le mieux, c'est de laisser macérer un peu. Dans mon pays, il y a une région qu'on appelle région du poule au Congo-Brazzaville. Ils mangent beaucoup le fruit de passion avec du poisson grillé ou poulet, accompagné du poulet, je voulais dire. Donc là, je mets en valeur le fruit de passion. Donc là, c'est la moutarde. Juste pour vous montrer, c'est du maquereau. C'est un poisson qu'on néglige, on a tendance à négliger un peu. Donc voilà. Si vous aimez beaucoup de l'ail, n'hésitez pas à en mettre. Je préfère piquer, faire des piquets. Donc piquer, c'est-à-dire de mettre de l'ail, piquer de l'ail. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, simple, hein, je vais mettre un peu d'huile. Vous voyez? Je mets un peu d'huile. Et je vous montre la suite. Merci. Donc là, il y a le beurre. Je vais faire frire mon poisson. J'ai allumé. Mon poisson est là. J'ai mis un peu de beurre. Et il y a l'huile. Vous n'êtes pas obligé de mettre le beurre. Vous pouvez mettre simplement de l'huile. Donc là, je vais rajouter un peu d'huile. Juste un peu. Et il y a encore un peu de jus de barbadine avec un peu de la moutarde. Le reste de ma moutarde. Je vais vous montrer la suite. Je vous montre le poisson et je peux en rajouter un peu de jus. On a respecté. Le poisson ne doit pas être trop cuit pour ne pas finir le goût du poisson. Donc voilà,
Ça, c'est juste un morceau de saumon. Hein. J'avais le saumon chez moi. Donc, voilà. Vous voyez, à peu moyen. Hein. Là, je vous montre le poisson que j'ai tourné, mais à peine 2 minutes, et je l'enlève. Il ne faudra pas que le poisson soit trop cuit, c'est pas bon. Là, je vous montre mon poisson, comment il est moelleux. Regardez. Il ne faudra pas que ça soit trop cuit. Je vous montre comment il est moelleux. Et là, c'est le fruit de passion. Donc, nous, on appelle ça au Congo-Brazzaville la barbadine. Pendant ce temps, moi, je vous dis, yé, yé, yé.